Si tu prends un air conditionné puis tu te le rentres dans le rectum, tu deviens-tu automatiquement fraîchier? Cue intro! Bon matin, Dave. Tu te fais réveiller pour du monde qui est en train de grinder du change. C'est quoi ce son-là? C'est quoi ça à 8h du matin? God, j'ai besoin d'un truc ou quelque chose, j'ai encore tombé endormi sans mon CPAP, ma machine. Puis là, on dirait que je peux juste pas comme me réveiller. C'est comme si j'ai pas dormi la nuit. J'essaie de m'ouvrir les yeux, puis. Mais on dirait que je peux pas, c'est comme si je dors encore, puis il faudrait que je dorme, puis je peux pas dormir. My God, ça va être une longue journée, j'ai un feeling. À cause de ça va être une longue, longue journée. Yo, ça va? Pourquoi tu dis? Tu fais question. Pourquoi tu fais question? Ça fait longtemps qu'on s'est pas juste assis sur le sofa, moi pis toi, hein? Mmh. Depuis que j'essaie de plus m'asseoir sur le sofa, ça fait longtemps. Ouais. Tu vois, tu as l'air fatigué comme moi, toi, aujourd'hui. Charlie, es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Viens en parler. T'es assez beau, là. C'est beau. C'était mon but aujourd'hui de prendre la journée pour un peu me rattraper du sommeil, mais je me suis réveillé de bonne heure. Fait que là, la journée a commencé, fait que je me trouve du stuff à faire parce que j'avais pas de plan aujourd'hui, je voulais juste relaxer. Mais me donne pas le droit de relaxer, fait que vu que je suis réveillé, ben trouver de quoi faire là. Ben j'ai aucune idée quoi. Charlie, t'es assez bad, tu sais que t'as pas le droit de licher mon assiette. Arrête de garder. Arrête de garder l'assiette. Good boy. Good boy, yo-yo. C'est ça. Non, garde pas l'assiette. Charlie, c'est pas ton assiette, ça. C'est pas ton assiette, ça. Non, c'est pas ton assiette, ça. C'est pas ton assiette, ça. Non. Oh, c'est gros bibi. Oh, c'est gros bibi, là. J'ai envie d'essayer quelque chose avec Charlie, parce que je m'en vais pour une couple de minutes. J'ai envie de faire un petit test de voir comment est-ce qu'il écoute bien pour vrai. Fait que je vais mettre une petite poignée de manger juste ici sur la table. Puis je vais mettre. Allô? Puis là, je m'en vais pour une couple de minutes pour voir si la poignée est encore là, mais j'arrive. Tu manges pas ça? Non. Tu manges pas ça avant que j'arrive. OK? Non.
Qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui est arrivé là? Ici. Qu'est-ce qui est arrivé là? Plein de bave, là? Hein? C'est quoi ça, plein de bave? Hein? T'es dit de pas manger ça avant que j'y arrive? Hein? T'es dit de pas manger ça avant que j'y arrive? Bah, t'es correct, j'aurais fait la même chose. Charlie, on se fasse des pets, toi. On se fasse des pets, toi. Classy, en tout cas, distribue bien les passes depuis son entrée en scène. On a un pas mal meilleur match aujourd'hui que 7-1. Fait, moi, mon équipe est out. Le Brésil est out. Mais on dirait que j'ai pas le choix de voter pour Allemagne à cette heure. Ils sont juste trop puissants. Mais j'aimerais vraiment voir Allemagne-Pays-Bas. Ben là, c'est 0-0 entre Pays-Bas et Argentine. Ça, c'est possible. C'est jamais le fun de voir ça. Police, ambulance, pompiers. Tu sais qu'il y a de quoi de wrong qui arrive à quelqu'un et c'est très plate. Oh, il y avait une petite fille de blessée. Caroline. Là, je m'en vais à un meeting avec Sarah Picard et José Lévesque. Sorry pour l'autre jour où je l'ai appelé José Levesque. Je l'ai dit comme ça s'écrit. Et monsieur vient de perdre sa coupe de café. Et... Fait un meeting avec Sarah Picard et José Levesque pour cuisine des pitables. Tu vas-tu tout perdre que c'est dans le genre, toi? En tout cas, bon. Ouais, meeting avec Sarah Picard et José Levesque. Ben voyons donc, arrête sur le bord de chemin, si, manac, tu vas faire un accident avec tout le monde. Hey, perdu une coupe de café, une grosse tarte et un morceau de cheap rock. Ça pas longtemps, il va perdre la tête, là. Bon, je disais, my God! M'en va à un meeting avec Sarah Picard et José Lévesque pour Cuisine des filles. Où est-ce qu'on va parler de qu'est-ce qui va être les premiers épisodes et puis tout. Puis, fait que ça m'excite parce que ça veut dire qu'on va filmer bientôt. Puis j'ai très hâte. Je dis souvent ça, très hâte, j'ai beaucoup hâte. Puis on dirait que ça sonne mal en bouche, très hâte. Mais j'ai beaucoup hâte. En tout cas, j'ai envie, je suis content, bon. Je suis content parce qu'on filme dans pas longtemps, je suis excité. J'ai hâte qu'il y ait des nouveaux vidéos sur Beardwin. J'ai hâte que les autres séries avancent et que chaque série soit sur le channel au moins une fois. Ça veut dire que ça va rouler. Je suis content. Là, mon premier meeting jusqu'à date avec Cuisine des filles. Deux femmes, of course, vont être en retard. Bon, ben. Tu vides l'huile, touche, c'est comme un peu, il y en reste un petit peu, un peu partout. Mais tu sais, même pas, il y a ce que c'est, le Urziab. Tu vois, tu touches, comme juste que c'est sur une ligne. C'est une braille. Une ligne. Psych! Bitch! High five! High five! Le meeting était juste great, ça m'a comme boosté, là. J'adore filmer et tout ça, mais j'aime aussi tout ce qui entoure, filmer comme planning and all that. Puis là, on filme le premier épisode, le 13, qui s'en vient dimanche, et j'ai super hâte. Parce que j'ai déjà filmé des top 5 avec Fred. Puis là, c'est le deuxième comme émission qui s'ajoute au channel que je vais filmer. Je suis très content. Ça se
super bien été, les filles avaient des bonnes idées. On a ça tout entendu sur tout. Fait que ça va être great. Mais là, j'ai un mal de cœur qui me tape sur les nerfs. Ça fait comme, je dirais, 3 jours. Il est du temps là, il y a quoi qui se passe ici. Ça fait longtemps que je pense que j'ai quelque chose comme. Ça fait comme un mois que je feel comme si que. Je feel stuff. On dirait que. Sorry pour. Si vous faites une image dans la tête, là. Mais on dirait qu'il y a plus de choses qui rentrent qu'en sortent. Fait qu'on dirait que je feel stuff, je feel enflé, je feel. Ah, puis là, on dirait que j'ai juste envie de vomir. On dirait que c'est un signe de comme. Je suis peut-être trop stuff, puis là, il faudrait juste que je puke. Comme j'ai quasiment envie de faire un 3 jours de seulement manger des légumes et des fruits, puis de l'eau, pour juste me cleaner le système, parce qu'on dirait que je feel tellement stuffed. Ouais, comme là, j'ai vraiment envie de vomir, puis je suis comme, pourquoi là? J'ai rien fait de wrong que d'habitude. Puis c'est pas un symptôme de panique, là, comme je sais c'est quoi l'envie de vomir, de panique, puis c'est pas ça, là, c'est vraiment de comme. Il y a de quoi, il y a un mix qui s'est mal fait ou il y a quelque chose de bougeant quelque part. C'est plate. Et je déteste vomir. Je sais que c'est ton corps qui se protège en disant comme ok, ça c'est mieux pour toi. Non, c'est still pas le fun, tu sais. Mais c'est ça, ça fait comme 3 jours que je feel comme ça. J'en avais pas parlé parce que j'avais un feeling que ça allait juste décoller, mais là je me dis que ça te décolle pas, fait que j'en parle. On va voir demain comment je me sens avec ça, mais. Là ça fait 3 jours, pas comme. Ah, là, le matin je file de même, là, le soir je file, puis comme non, 3 jours straight que. Il y a de quoi là, c'est quand même. C'est ici, là. As-tu envie qu'on fasse le sign out ensemble, John? Hein? Tu faire le sign out avec moi? Oh, tu fais. C'est ce qui met fin à cette très belle journée, qui n'était pas remplie d'artifice, mais qui était quand même fun. Moi j'ai aimé cette journée-ci, à part mon mal de cœur qui persiste. Je t'étudie, tu pourrais te lever de mon muscle. Et puis, le monde va penser que je te fais des grosses faces de même tout le temps. Tu veux-tu leur dire que je te sens comme la vie de vie avec toi? Si tu souffrais, on pourrait jouer de la flûte avec tes narines. Non, t'es pas un flûtiste. T'es pas un narratiste non plus. Non, tu joues pas de la narine, toi. En tout cas, bon, je m'écartais dans l'au-delà. Charlie? Qu'est-ce que c'est? Viens, on fait le sign out ensemble, puis tu restes là. Oh mon dieu, tu veux le gros spotlight? Hein? Ok, well. Tu me pèses raid sur le bord de ma mâchoire. C'est correct, t'es cute. Ben c'est ça, la journée n'avait pas. La journée était simple, mais je l'ai quand même aimé. Puis surtout qu'il y avait mon premier meeting avec Cuisine des filles. Fait que là, tu veux dropper un petit peu, là. Ouh! Je vais avoir une belle petite scratch, là, demain matin. I love you! I love you. I love you so much. I just want to eat your face. Bon, on va finir par le faire, le sign out. Je suis fatigué. Qui est là? Oui, allô? Oh. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne savent pas et qui ont des chiens, si vous sentez l'intérieur de leur oreille et. Wow, ok, si je suis si ennuyant que ça, je ne vais pas le dire, mais c'est important, fait, je vais le dire. Si vous sentez l'intérieur de leur oreille et puis le dessous de leur patte, ça sent des Doritos. C'est incroyable. Je sais pas c'est quoi le mix entre oreille de chien, patte de chien et Doritos, mais ça sent la même chose. Comme prenez un Doritos, sentez-le, sentez une patte de chien,
même affaire. C'est incroyable, je sais pas d'où ça vient. Mais tu sens les Doritos, Charlie? Ça veut-tu dire que tu te lèves pendant la nuit, tu vas manger des Doritos, t'as toutes les pattes sales, là, tu te grattes les oreilles, puis nous autres, on se lève le matin, on se sent, puis on... Oh, ça sent les Doritos! Tu penses que tu manges des Doritos en cachette, là, hein? Ma grosse cochonne, toi. Bon, bon, take 13 de sign out, bon. Journée était fun. Demain va être fun aussi, je recommence à travailler, j'ai eu 2 jours de congé, là. Back to work. Je suis content. Puis, yeah. Enfin, oubliez pas de subscriber, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je suis très content. Je serais content de vous donner ces choses-là. Puis, oubliez pas de liker. Pas comme lui. Si vous avez été ennuyé, likez pas. Mais si vous aimez ça, likez. Puis, on se voit demain. Porte sur Venus, ça va venir dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le bleeding? Ben, assez fort, le treadmill. Mon pacemaker. Treadmill. Mon pacemaker.